Hey, what's up les potes? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais décrypter des engrammes exotiques. Il faut savoir que j'ai pas mal farmé ces derniers jours tout simplement les assauts épiques en activant les 3 2 deniers. Donc j'avais acheté une cinquantaine, je crois même 50, 55, 3 2 deniers. Et j'ai réussi à looter grâce à ça 10 engrammes exotiques. Donc vous allez voir, je vais vous montrer rapidement. Que peut-on faire pour vous? Il y a... Hop, je vais juste activer, voilà. Il y a alors, donc il y a un petit peu de tout, vous voyez, des armes principales, armes secondaires, des casques, des gants et des torses. Voilà, je vais vous montrer un petit peu mon personnage également. C'est mon personnage le plus avancé, donc c'est l'arcaniste. Il a 308 de lumière. Je crois que mon titan doit être à 305 ou 306 et je dois avoir mon chasseur à 303, voilà. Donc là, j'espère vraiment monter un petit peu l'arca. Vous voyez, je suis un petit peu faible sur le casque, je pourrais monter un petit peu ça. Puis ensuite, bah, sur les armes, je suis plutôt bien là. J'espère vraiment plutôt le casque, avoir un petit truc à infuser. Pourquoi pas? Allez, on va voir ça tout de suite. C'est parti, on va commencer à décrypter. Alors, j'espère aussi avoir des équipements, des nouveaux équipements que j'ai pas forcément. Alors, les griffes d'Ahamkara pour l'arcaniste en 310. Donc, déjà, ce qu'on va faire, les gars, tout de suite en direct, je vais infuser en même temps. Allez, c'est parti. On va faire ça en même temps, comme ça. Ça va faire monter un petit peu le personnage, ça va nous faire kiffer. Hop, donc je vais avoir les gants normalement à 310, voilà, de lumière, donc ça c'est vraiment plutôt pas mal, hein, vous allez voir, pam, ça va nous faire monter à combien ça? 308, 308, 308, donc 308 et demi toujours, allez on va, et voilà. Hop, je vais infuser le torse, alors j'ai déjà un torse, voilà, impeccable, alors celui-ci, je vais juste regarder combien il a de lumière. Impeccable pour mon titan, donc 310 et je vais pouvoir aller infuser mon titan également, j'ai déjà un torse à 310 sur mon arca, donc... J'ai pas besoin d'infuser trop pour l'arca. Hop, cœur du feu de praxique. Alors j'ai quand même regardé 290, donc la petite déception quand même. Je préfère, ouais. Là, en fait, si vous voulez, quand vous avez plus de 300 de lumière, vous pouvez décrypter des engrammes exotiques et avoir jusqu'à 310 de lumière dessus. Donc soit 290 comme je viens d'avoir, soit 310. Donc après, voilà, c'est vrai qu'il faut être un petit peu chanceux. Allez, on va ouvrir le torse encore. Encore un écusson d'Alpha Lupi. Donc là, hop. Il est à 310 également. Aussi, il faut savoir pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'en fait, vous pouvez infuser par exemple un torse de titan avec un torse de chasseur. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir la même classe. Donc ça, c'est plutôt bien. Je suis plutôt content. Je veux du 310 de toute façon. Je suis là pour avoir du 310. Hop, alors encore un petit torse. Donc là, on est sur un protocole de feu stellaire pour l'arcaniste à 290. Donc dommage, c'est vraiment les deux 290. Petite déception, mais bon, allez, on va continuer. Je vais décrypter le casque. Alors là, j'espère vraiment. Ah, le cerf, je ne l'avais pas. Ça tombe plutôt bien. 290, donc là, ah là, la petite déception aussi également. J'espère vraiment avoir le deuxième à 310. Le cerf encore. Et 290 également. Et là, j'ai vraiment pas de chance par contre, les potes. Vraiment, j'attendais vraiment d'avoir un casque à 310. Je suis un petit peu déçu. Vous voyez, j'ai pas mal de casques à 310. Vraiment, là, je suis vraiment déçu par contre. Dommage, c'est vraiment ce qui me manquait. Bon, là, on va essayer quand même de se rattraper sur les armes. Réfléchissez avant. Hop, le Reign de Suros, est-ce qu'on l'a en 310? 310, c'est parfait, vous voyez, j'avais déjà le Lapinja en 310. Reign de Suros en 310, c'est pas mal. Je vais pouvoir, je pense, monter mon... Je vais pouvoir monter un petit peu mon Suros, je vais voir un petit peu après. Hop, et dernier... Ah non, alors là, le quatrième cavalier que j'ai eu en 290. Déçu, franchement déçu, moi je veux du 310, je veux rien d'autre que du 310. Hop, et encore le quatrième cavalier, alors décidément on a les trucs en doublon, et encore du 290, donc vraiment pas, je suis en train de bugger, pas beaucoup de chance dans cette ouverture d'engramme. Je pense que là, ce que je viens de faire, il y en a qui vont se foutre de ma gueule. Allez, c'est parti, on va ouvrir donc du coup les deux légendaires que je viens de looter, hop, un Fagnon de Aliatus et un Taowayan, donc ça c'est celui-là, c'est le sniper de l'épreuve et donc un brassard, mais bon, ça j'attends pas grand chose dessus. Voilà, donc petite déception, j'ai pu monter mes gants à 310, mais vraiment déçu pour le casque. Franchement, je suis vraiment dégoûté. Même je m'attendais vraiment à avoir un meilleur casque que ça. Donc là, ce que j'ai de faire, c'est que j'ai devoir attendre le raid pour essayer de choper un casque du raid. Voilà, mais vraiment, je suis un petit peu déçu. J'aurais bien aimé monter mon personnage à 309. Voilà, il manquait plus qu'un petit casque hein, pour le faire, parce que vous voyez, les autres, je suis bien 309, 310, 310. Il y a vraiment le casque qui me fait planter quoi à ce niveau-là.
Donc petite déception, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé, vous l'avez vu quand même, de vous apporter quelques conseils, hein, que ça soit aussi un peu enrichissant pour vous quand même, hein, les potes. Allez, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous le voulez, à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt. Tchuss!